Chris a 13 ans. Il a quitté le Liberia à cause de la pauvreté et d'Ebola, mais aussi parce que sa mère voulait trouver un meilleur travail pour qu'il puisse étudier. Un homme les a aidés à partir, mais il n'a pas respecté ses promesses. Chris a été séparé de sa mère et de son petit frère. Cet homme l'a ensuite confié à un ami libérien. Sa mère est restée coincée en Mauritanie sans papier ni argent. Chris a vu à la télévision que le voyage en Méditerranée était très dangereux. Il n'a pas voulu partir et mourir là-bas. La première fois que nous l'avons rencontré avec une collègue du ASR, il nous a raconté son histoire difficilement et nous a dit « Je suis jeune mais j'ai déjà vécu tellement de choses. Je ne peux pas prendre soin de moi tout seul. La seule chose que je veux maintenant, c'est étudier. » Quand nous avons cherché à retrouver sa famille avec l'aide de la Croix-Rouge, nous avons pu contacter son grand-père au Libéria. Nous avons alors découvert que sa mère était toujours en Mauritanie, mais dans une ville autre que lui. Nous l'avons alors recherché. Pendant ce temps, Chris a pu apprendre à lire l'anglais. 3 mois plus tard, nous avons enfin retrouvé sa mère avec son petit frère et une surprise. Chris va de nouveau être grand frère. La famille est enfin réunie. Dans quelques jours, ils repartiront pour une nouvelle vie au Libéria. Greet and hope that this letter meet you in good health. Hope to hear from you soon. It's good.